Alors, l'affaire Balthazar, quelles leçons en tirer? Roland Tonéikès est toujours sur ce plateau. Marc Goudjanou nous a rejoints pour les discussions et je rappelle que les amis téléspectateurs pourraient prendre part également aux discussions en composant le numéro 48 52 94 02. 48 52 94 02 pour donner vos avis sur cette affaire qui n'est pas que une affaire qui concerne la Guinée équatoriale, mais qui concerne tout le monde entier parce que c'est des réalités qui se vivent partout dans le monde. Marc Goudjanou. Oui, Carole, je ne vais pas vous dire bonjour encore. C'est ce que j'ai failli dire. Donc, c'est vrai, cette affaire, affaire Balthazar, ça continue toujours de faire couler beaucoup d'encre. Et donc, je pense que dans les jours qui vont suivre, on aura encore d'autres rebondissements forcément par rapport à cette affaire qui défraie la chronique, pas seulement au niveau de la Guinée équatoriale, mais de toute l'Afrique et dans tout le monde, je dirais. Ce qui révèle en réalité la vraie face cachée de l'homme, grand H, quand je prends l'homme grand H, je peux dire, où on pourrait quand même constater jusqu'à quel excès l'homme grand H peut aller dans la recherche de je ne sais quoi, du plaisir, dans la recherche de l'argent, dans la recherche de quoi, je ne sais, ça me. Marc Goudjanou, dans cette affaire, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir à qui incombe le tort. Est-ce à Balthazar ou à toutes ces femmes avec qui il a tenu des rapports sexuels non protégés? Je pense que sur cette question, la responsabilité est partagée. Je ne vais pas seulement jeter la pierre à Balthazar et je ne vais pas seulement jeter la pierre à ces femmes aux mœurs légères. Non, pas forcément. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où, dans le contexte africain par exemple, la femme revêt une importance très capitale. Que ce soit en famille, que ce soit en société, que ce soit même au sein des entreprises, la femme incarne une valeur très très principale. Ce n'est pas pour rien que parfois, même pour des postes clés au niveau des administrations, les gens voudraient quand même que ce soit des femmes qui occupent ces genres de Ou postes-là. carrément que l'homme soit d'abord marié. Marié, voilà. Et ainsi. Donc, lorsque vous voyez des femmes qui sont mariées, d'accord, accepter, tenir d'abord des rapports avec un homme marié, et de deux, se faire filmer, d'accord? Et lorsque vous regardez les extraits, c'est que vous vous rendez compte qu'elles sont complices, Elles sont consentantes. elles sont consentantes de l'acte qui est fait. Ça pose un réel problème sur la moralité, d'accord, de ces femmes-là. Et également, ça pose un problème sur la moralité de l'homme également en question. Parce que de vous à moi, pour un homme qui a reçu une bonne éducation, d'accord, qui a grandi dans la crainte de Dieu, d'accord, vous n'allez pas le voir normalement dans ce genre de situation, à moins qu'il ait dévié carrément. Ou moi, avec tout ce qui est arrivé, moi je me pose la question de savoir, en réalité, c'est quel type de personnalité Balthazar est. Lorsque l'on va pousser plus loin nos réflexions et qu'on va quitter peut-être notre environnement si proche, si c'est en Europe, c'est qu'il doit avoir un problème psychologique, forcément. Parfois, on va l'attribuer à un psychopathe, parce que lorsqu'on parle de psychopathe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui commet des crimes, forcément, mais dans vos actes, vous pouvez commettre des actes qui font penser à ce que vous n'êtes pas forcément connecté à ce monde où les choses doivent aller de façon normale. Parce que tout ce qu'il a eu à faire, on parle de 400 vidéos et même plus Et parfois. plus. Et plus parfois. Et vous voyez ces femmes qui sont des femmes mariées, des mères, Des personnalités, des femmes, d'épouses de il y a même des femmes personnalités. enceintes dedans, donc ça pose vraiment un véritable problème sur la moralité, pas seulement des femmes, mais également de l'homme en question qui a eu affaire. C'est vrai que l'on pose le problème de savoir, mais les hommes comme Balthazar, il en existe, c'est vrai. Il en existe un peu partout. Même quand on prend dans notre Bénin, il en existe un peu partout. La preuve, c'est qu'il y a l'affaire P. Diddy qui secoue également les les États-Unis. États-Unis. Voilà, donc ces hommes comme lui, il y en a partout. Mais les femmes,
si c'était même peut-être qu'avec des femmes, des jeunes filles qu'il avait eu à faire cette histoire, je pense que ça ne susciterait pas, ça autant. Susciterait pas autant de tollé comme le cas où on voit la femme de grande personnalité, la femme des ministres, la femme des DG, la femme même du chef de la garde présidentielle. Donc, vous voyez à quel niveau. Moi, je me dis, cette affaire, c'est, ça sort du physique. Ça va beaucoup plus dans le spirituel, moi, je vais dire. Beaucoup plus. Et bon, je vais laisser Laurent opiner dessus. Je vais revenir sur certains nombres de points. Roland Tonéikès, êtes-vous un Balthazar ou un homme quand même responsable? Si j'étais un Balthazar, je vous aurais dragué depuis que nous sommes sur Eden TV. Ce que je n'ai jamais fait. Je ne suis pas un Balthazar. Alors, de façon d'aborder la question. Vous n'êtes quand même pas une femme laide. Donc, si j'étais un Balthazar, il y a longtemps, je vous aurais dragué. J'aurais peut-être tenté certaines choses. N'étant mais... pas les femmes, ce genre de femmes. Non, c'est pas fait ce genre de femmes. L'essentiel, c'est que moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis pas Balthazar. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il n'y a personne en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il n'y a personne en ligne. Il y a quelqu'un. Il est parti. Vous ne voulez pas que je parle. Donc, rassurez-vous, je ne saurais être un Balthazar. Je prie Dieu, en tout cas, ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, on a tout fait de condamner Balthazar. On a tout fait de condamner les dames. Mais où sont les époux de ces dames? Ils ont leur responsabilité entière dedans. Vous n'êtes pas sans savoir que les gros bonnets, quand ils sont à un niveau donné, madame est oubliée. C'est les jeunes filles qui deviennent les servantes de monsieur, directeur, ministre, député. On n'a plus le temps pour madame à la maison. Madame cherche à compenser. Et un Balthazar vient, elle cède. C'est vrai, on va dire qu'il y a des femmes de mœurs légères, il y en a un peu partout. Mais l'expérience a prouvé que les grands hommes, la plupart du temps, n'ont pas du temps pour leur épouse. Ils ont le temps pour les femmes dehors, les tisas. C'est eux les puissants hommes. Qui veut avoir les femmes dehors? Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Donc, il est parti. Les hommes, grands hommes, le plus souvent, la plupart du temps, n'ont plus le temps pour leur épouse à la maison. Ils sont entre les cuisses des petites filles. Des étudiantes, à la limite des élèves, des jeunes stagiaires de leur subordonnée dans le bureau. À la pause, le monsieur se fatigue avec une stagiaire ou une collaboratrice et le temps, le soir, il n'a pas le temps pour madame. Et à un moment donné, la dame, ce n'est pas toutes les femmes qui, par dignité, décident de quitter le foyer pour aller se remarier. Il y en a qui seront là pour dire, ok, comme il n'a pas le temps pour moi, je cherche un pompier. Et le pompier vient gérer allègrement. Et donc, dans ces conditions, vous allez voir des Balthazar. Je ne donne pas raison à Balthazar. Téléspectateur en ligne, bonjour. Vous le faites déjà. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Très bien, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Moi c'est Eric Avocetien. Monsieur Eric Avocetien, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Akpakpa. Depuis Akpakpa, allez-y pour vos commentaires. Ok, d'accord. En fait, par rapport à l'affaire Balthazar, et vous êtes nombreux à accuser Balthazar, surtout celui qui est à votre gauche au niveau de votre écran là. Marc Goudiano. Marc, voilà, ok. En fait, il ne faut pas accuser Balthazar, mais il faut plutôt accuser les femmes en question. Je ne peux pas avoir une femme mariée qui va se laisser faire cet épisode-là. Mais pour quel intérêt, pour point combien? Et il y a des femmes des cadres dedans. Des personnalités. Écoutez, bien vrai que je suis conscient que ça se passe au Bénin, mais pas jusqu'à cette extrémité-là. Le monsieur, c'est-à-dire qu'il a l'argent et il sait. En fait, il a fait des femmes ce qu'il veut. Il ne faut pas trop accuser la tête. Même si c'était avec des jeunes filles, ce serait même mieux. Mais les cadres, vraiment, ça se passe au Bénin. Mais moi, je n'accuse pas trop Balthazar. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'il a. Et c'est à cause de ça que les femmes sont... En fait, elles sont... Vous pensez que les femmes de ces autorités, par exemple, manquent du minimum pour se donner à Balthazar? Mais il y a un monsieur qui a dit au plateau, sur le plateau, là, tout à l'heure, vous dites que ces autorités n'ont pas du temps pour satisfaire les femmes. C'est vrai. Une autorité qui est souvent, par exemple, de réunion à gauche, à droite,
qui revient peut-être tardivement à la maison, combien de temps l'homme va faire avec sa femme? Déjà le matin très tôt, le monsieur à 6h, le monsieur se douche déjà pour vouloir partir au boulot. C'est ça se passe. Disons certaines vérités. Et la personne, les femmes ont voulu se faire, comment on appelle, satisfaire ailleurs. C'est ça. Regardez le monsieur, quand il baise, vraiment, après, il baise très bien. Ouais. Vous êtes femme. Hein. On ne veut pas utiliser ce genre de mots en direct. Okay, merci beaucoup. Il y a des enfants, il y a peut-être des jeunes qui nous suivent. Okay. Merci à vous, monsieur Eric. On vous aura compris. Loin de défendre Balthazar, j'estime que véritablement, chaque homme, hein, nous, hommes sur ce plateau, nous avons... Vous avez vos vices ? Nous avons, pas nos vices, nous avons nos responsabilités. Responsabilités en ce sens que, dès lors que tu as ta femme à la maison, mais toi, que tu concentres le plus d'énergie dehors avec les jeunes filles ou les petites filles, et ta femme est justement obligée, dès lors que l'occasion se présente, si elle n'a pas une bonne éducation, elle cède. Mais parce que, est-ce que dans le cas de Balthazar, c'est le cas? Est-ce que c'est la situation? Attendez, je sais pas, quand vous regardez la preuve, Carole a posé la question, les femmes de ces autorités-là, vous pensez que c'est forcément l'argent qui les a amenées là-bas? C'est pas évident que ce soit forcément l'argent. Parce que vous et moi, vous connaissez un peu la réalité sous nos yeux. Il y a des gens, des femmes qui sont dans des foyers, qui ont tout, qui ont l'argent. Mais le pourtant, fait de se faire filmer, vous pensez? Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Vous êtes déjà en direct. À qui ai-je l'honneur? Éloignez-vous des discussions autour de vous, je vous prie. Vous êtes en direct. Téléspectateurs en ligne. Ils ont coupé le... Allez-y. Roland? Donc, j'estime véritablement que... Non, c'est, moi, je veux voir le truc dans sa généralité. Il y a des gens qui, certainement, se sont fait filmer, des femmes qui se sont fait filmer par Balthazar, parce qu'à un moment donné, il a réussi à les embobiner, les embarquer, parce qu'en réalité, ayant trouvé le plaisir avec lui, il ne peut plus lui refuser quelque chose. Ils n'ont pas pris conscience de ce qu'il faisait, c'est grave. N'oubliez pas que... Téléspectateurs en ligne, vous m'excusez, Roland. Bonjour, madame. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. Monsieur, éteignez, s'il vous plaît, votre poste récepteur ou éloignez-vous des discussions autour de vous parce que vous êtes en direct et tous les bruits nous parviennent. Justement, déjà, j'ai déjà... Allez-y, c'est mieux déjà, c'est mieux. Bien, voilà, c'est par rapport à l'affaire... Non, Balthazar. Moi, je m'appelle Gaël Badou depuis Porto Novo. Bienvenue sur l'émission. Voilà, maintenant, je voudrais partager l'avis de mon confrère qui est à côté de vous. Lequel? À ma gauche ou à ma droite? À ma droite ou à ma gauche? À votre gauche, justement. Parce Marc Goudianou. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait la chose. Est-ce que nos frères, là, qui sont des hauts gradés, là, hein, des ministres, des députés, ainsi de suite, là, est-ce qu'ils arrivent correctement à satisfaire leurs épouses à la maison quand ils sont rentrés du boulot? Une interrogation. Est-ce que déjà, ce phénomène Balthazar, là, est-ce que vous savez que lui, il s'en fout de l'argent, et que quand, en fait, il voit que cette dame, ça lui plaît, et il fait la cour et ça passe. Ou bien, cette dame lui dit, ah, ce monsieur là, c'est un joli mec, allez, je peux grimper dessus pour voir ce que ça donne. Voilà que le monsieur, il est viril. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce qu'ils ont besoin de se faire filmer, si c'est pour le simple plaisir, si c'est pour une satisfaction sexuelle? Est-ce qu'ils ont besoin de se faire, ou bien ces femmes ont besoin d'accepter d'être filmées en plein acte? Oui, mais ils n'ont pas besoin d'être filmées en plein acte. Mais c'est que c'est un phénomène qui est arrivé. Le monsieur a déjà mis ses trucs en branle. Et puis quand il prend et puis il tombe dedans, mais c'est fini. La femme est devant l'agent, en fait. Et l'être humain est sérieusement faible. Est-ce que vous savez ça?
Allez-y. Donc, moi, je n'accuse pas trop Balthazar, mais plutôt le mari à ses femmes. Comme Laurent le disait tout à l'heure. Le mari à ses femmes. Il faut les accuser parce que s'ils n'arrivent pas à régler la maison, et il faut déjà à 5h du matin, il est en train de se cravasser déjà pour aller au bureau, tout ça, mais c'est dommage, vous savez. Quelles leçons en tirer alors? Voilà. Et de nos jours, il faut que l'homme puisse régler sa femme correctement avant d'aller au boulot. Parce que quand tu l'as doté et tu l'as ramené à la maison, c'est pour des fins personnelles ou bien pour des fins en ce moment-là. La femme ne mange pas du poisson ni du riz, là, en fait. Et c'est pas ça qui manque chez elle à la maison avec ses parents. C'est pas ça qui manque chez elle à la maison. Ah oui. Ça ne mange pas du riz, ça ne mange pas du poisson. Donc il faut en régler correctement et bien. Et c'est fini, le jeu est clos. Donc ce monsieur, parce que Batella, il n'a rien fait de quoi, je ne sais pas. Hein. Merci à vous, monsieur Gaël. Nous allons poursuivre sur ce plateau les discussions. Je voudrais revenir sur un aspect très important. Nous sommes des éclaireurs, d'accord. Et à l'entame de ma discussion, j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Même si l'on voudrait mettre les responsabilités sur le dos de ces hommes, d'accord, qui n'arrivent pas peut-être compte tenu de leurs occupations ou bien compte tenu de tout ce qu'ils veulent, s'occuper convenablement de leur femme à la maison, d'accord, cela n'excuse pas. D'accord, le comportement de ces femmes. De ce monsieur ou de ces femmes. Ou de ces femmes. Du monsieur et également de ces femmes. Cela ne les excuse nulle part. Parce que nous avons une moralité. Nous avons une dignité à préserver. Voilà, donc il n'y a pas à excuser qui que ce soit sur ces actes-là. Imagine, aujourd'hui maintenant, la photo ou la vidéo de ces femmes sont mises à nu un peu partout. Mais et leurs enfants, qui sont leur les plus... famille, découvrent leur nudité. Aujourd'hui, maintenant, qui sont les plus doigtés dans cette affaire? Ce sont ces femmes. Tout à fait. Les justement. Plus indexées, pardon. Les plus indexées, oui. Il faut savoir utiliser les thèmes. Les plus indexées dans cette affaire, ce non, parce qu'on parle de Balthazar que vous avez utilisé ces thèmes. Non, j'ai dit les plus indexées. Donc, les plus indexées dans cette histoire, ce sont les femmes en réalité. Et aujourd'hui, pas seulement ces femmes-là, leur famille. Vous en avez appris, il y en a qui s'est suicidé dedans. Justement. Mais aujourd'hui, par exemple, Balthazar, il n'est pas, il est vu généralement, malheureusement, pour beaucoup, comme, c'est le bourreau. Comme l'homme modèle, d'accord, l'homme qui s'occupe de ses femmes, qui n'arrive pas à trouver la satisfaction qu'elles veulent. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, madame. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Wallis, Chetete, depuis Boydon. Monsieur Wallis, allez-y pour vos commentaires. Merci beaucoup, je vous admire tellement, et chaque fois que je suis votre émission. Merci beaucoup. Toutes mes salutations aussi à mon frère, à mon jeune frère qui est à côté de vous, à votre droite. Et moi, je l'entends toujours dans ce débat, je suis heureux. Merci, merci. Après, Balthazar, si la justice devait être honnête et franche, il n'a pas de procès. Moi, j'ai connu une femme bien placée, qui ne souffre de rien, mais qui m'a dit un jour, moi, parce que c'est elle fut une copine, mais qui m'a dit ouvertement un jour que de nos jours, c'est difficile de trouver des femmes honnêtes sur le toit conjugal. Et que ce n'est pas la peine de rester toujours campé sur un seul sexe, qu'il faut changer, pour goûter, que là, nous pouvons consommer, ce n'est pas bien. Vous voyez, bien placé, hein, une femme bien placée dans Cotonou, hein, qui fonctionne, hein, très bien placée, hein, qui a ses parents bien placés, hein, qui parle ainsi. Alors, ça m'a fait tourner la tête, j'ai rempli le contact. Vous voyez, madame, après Balthazar, il n'a pas de procès. Parce que, en ce qui concerne les vidéos, il peut déjà, comme l'a dit quelqu'un sur le plateau tout à l'heure, il peut bien sûr déjà poser sa caméra, faire tout ça là, vous voyez. Tant que la femme ne sache quelque chose, donc il peut filmer. Mais le problème, parce que et si la femme ne s'était pas laissée et être emportée, est-ce qu'il va filmer? Pas de procès, madame. Merci beaucoup. Bonne et quelle leçon il faille en tirer pour la jeunesse? Oui, la leçon à tirer, c'est vrai, moi je suis plus jeune, je suis déjà à plus de 65 ans. Et je vous assure que l'expérience, le monde a changé, le monde est allé à l'envers.
Je ne sais pas si quelque chose peut être fait, parce qu'au fil des jours que on avance là, la technologie, tout ça là, et puis les enfants deviennent toujours, tout, ça change tout le temps. Demain, avec nos petits-enfants, ça, ce serait pire. Vous voyez, je ne sais pas si l'éducation physique ou tout ça à l'école peut changer quelque chose, je ne sais pas, parce que aujourd'hui, par exemple, vous voyez, moi, ma petite fille a osé me dire en regardant la télé, elle, une émission, un écran, elle regardait un film, elle dit, papa, et pépé. Il est parti. Il est parti. On vous aura compris, monsieur Wallis, depuis Boycon. Voilà. Carole, en fait, je ne donne pas raison. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai bien envie de poser une dernière question. J'y vais rapidement. Je ne donne pas raison aux dames, je ne donne pas raison à Balthazar. Je dis, les responsabilités sont partagées. Mais en même temps, dans le même temps, c'est-à-dire qu'une femme qui a reçu une bonne éducation et qui est bien prise en charge par son mari à la maison, Balthazar peut être si beau, si riche, il vient, elle va le renvoyer. Donc, il y a que nous devons aussi, à nous, les hommes qui sommes mariés, faire en sorte que nous ayons du temps pour nos épouses, plutôt que de nous fatiguer entre les cuisses des jeunes filles et de ne pas penser à la dame, qui malheureusement, à un moment donné, n'a peut-être pas le courage de tenir bon et de tenir ferme. Et donc, après, on va l'accuser. C'est vrai que je dis une chose, la femme, si à un moment donné, ça ne va pas, il vaut mieux qu'elle plie bagage plutôt que de rester là. On l'a dit ici, déjà sur ce plateau, en parlant des femmes mariées qui trompent leur mari. Mais Marc Goudjanou, j'ai bien une question. Cette affaire vient montrer la fragilité des familles. Les couples qui sont de moins en moins, de plus en plus, moins solides aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire très rapidement? Aujourd'hui, je pense que la plupart, le mal c'est quoi? La plupart des parents ont commencé par éduquer leurs enfants sur le fait que, avant de pouvoir se marier, il faut que vous trouviez un homme qui ait les moyens, qui soit socialement bien assis. Et donc, la majeure partie ne sont pas à la recherche au fait de l'homme idéal ou bien de l'amour idéal pour leur vie. Donc, ils sont à la recherche du bien matériel. Et lorsque vous êtes à la recherche du bien matériel, vous risquez de vous mettre avec un homme qui ne vous aime pas forcément et donc vous-même, vous n'aimez pas. Alors que lorsque vous construisez votre vie ainsi, c'est qu'à la fin, les moindres tentations qui pourraient survenir, chacun de vous va tomber dedans. Et donc, ça pose toujours le problème de l'éducation à la base, qui doit être pas seulement l'éducation à la base, mais également la crainte de Dieu. C'est important. C'est important parce que cette crainte va faire que même à la limite même de l'acte que vous ne devez pas poser, il y a votre subconscient, il y a quelque chose qui va vous dire ce que vous faites là. Ce n'est pas bon. Vous allez constater que l'un ou l'autre des deux, c'est-à-dire des femmes et de Balthazar, vous allez constater que vous allez dans leur vie privée et autres, vous allez voir qu'ils sont dépourvus de toute moralité. C'est peut-être des gens qui sont même dans des loges ou dans des sectes. C'est peut-être des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui vivent selon le bien matériel, selon le monde matérialiste. Et donc, ils ne peuvent qu'aller à ces essais-là. Je pense que même dans le cas de l'un ou l'autre, je pense que le diable joue le tam-tam dans leur tête. Franchement. Voilà. Donner une question très rapidement. Non, je crois que en l'état aujourd'hui, ça montre la fragilité des familles et ça montre, en tout cas, les Balthazar, il y en existe un peu partout. Que doit faire l'épouse de Balthazar aujourd'hui? Ah mais comment vous appelez? Subir, supporter et protéger ses enfants, c'est tout. On dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, elle peut décider, face à cette humiliation. C'est parce que les vidéos ont fuité qui ont parlé d'humiliation. C'est aussi longtemps que les vidéos... Justement. Et d'ailleurs, même, il faut interpeller... Pour ses enfants, c'est des humiliations. Il faut déjà chercher celui qui a partagé les vidéos. Parce qu'à ce niveau, les vidéos n'étaient pas censées être partagées. Donc, parce qu'en réalité, dans ces conditions, c'est difficile. On expose les enfants inutilement. La dame peut demander le divorce et protéger davantage ses enfants. Ou alors, elle soutient son homme et elle accepte le verdict de la vie. Elle continue. Nous sommes au terme de cette émission. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je promets que nous allons revenir sur cette affaire et surtout au plan spirituel. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aviez tiré des leçons dans tout ce qui a été dit sur ce plateau et également des téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.